Yo l'autre fois, gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. On a pas rentré rapide avec un détail information yo hier dans Port-au-Prince tu as gagné une fusillade qui fait dans zone Cafoufey pas trop loin l'église en Wesleyan non ou bien l'église Saint-Gérard pour monde qui connaît Port-au-Prince très bien zone Rue Magloire-Amboise gagné 4 monde qui t'a perdu la vie parmi eux gagné 2 policiers c'est un individu qui était sous motocyclette alors qu'il était sous l'autre machine qui t'a ouvert coup d'am sous policier yo d'après selon témoin qui t'a parlé sur fusillade ça qui t'a œuvré examen qui était dans une machine gagné 2 policiers que identité pour ko révéler qui t'a mouri ensemble avec un businessman qui est le pasteur avec un dame qui est le macula qui t'a perdu la vie de plus ça t'a gagné 3 autres monde qui t'a blessé parmi eux une femme d'après information que t'a venu de nous information qui est sortie sur lieu crime non fait qu'on est que policier yo mouri pendant que t'a circulé sur motocyclette yo t'a tué non moment yo t'a metté contrôle son machine suspect qui t'a sillonné dans zone là yo nan deux policiers ça mouri t'a gagné mail nan meni papier machine là qui c'est machine yon bandi pour qu'on est là patrouille avec JDP t'a mené enquête sous lieu assassinat jusqu'à présent assassin eux-mêmes ont été en prenant la fuite avec zam deux policiers yo assassiné dossier insécurité en fait un pile cri dans le pays en assassin un professeur Guichard Doré qui c'est ancien conseiller ancien président assassiné Jovenel Moïse qui selon lui-même fait connaître situation qui a développé dans le pays avec la question groupe qui gen zam yo dans capitale là mettez quelque cassé avec deuil dans mitan famille divers côtés dans ville porte dans ville là et avec quelques villes province tout les cités par exemple ça qui a passé dans la Tibonite ça qui a passé dans Port-au-Prince spécialement dans zone la boule 12 côté gain groupe gang Timacaclan les mêmes qui gagne contrôle zone c'est là ancien conseiller président Jovenel là vous avez j'adoré mandé autorité la police pour prendre toute disposition dans l'idée pour rétablir sécurité en dans pays en temps de déclaration ancien conseiller Jovenel Moïse Guichard Doré. On va quoi gros côté dans Pétionville qui part un problème aujourd'hui même si il fut un temps il était conduit toute ville un peu épargné mais on s'est rendu compte que sur route frère que dans zone centre ville Pétionville là même que n'importe côté la boule que ce soit dans les sections communales et mon gros problème donc moi crois que dans situation communale il y a une insécurité comme nous jeune dans pile commune dans pays il y a une insécurité moi crois que gain on ralentissement un peu partout il y a des gens qui pas sauté dans zone plusieurs côtés il y a des gens qui ont remarqué ça par exemple sous Pétionville par exemple avant de sous Centreville Pétionville là où parce qu'il y a des gens dans la rue bon c'est vrai que c'était période fête mais on rend compte que comparativement à l'autre fête qu'on y est on ralentissement des activités par exemple sous web sorti de Pétionville pour aller au Centreville de Port-au-Prince qu'on fait une ville dans Delma 60 là et bien là sous là presque pas une machine hein son constat et vu c'est un peu partout donc nous perdons contrôle de territoire. Là, c'est ça qu'a dit. Donc, ça fait longtemps, ma partie et attention, moun sous ça, on pas prendre ça en considération. Alors qu'il fut un temps que vous avez un contrôle, on contrôle à plusieurs niveaux. Donc, on contrôle d'un point fixe à un niveau neutre, ou devant des autorités sur route là. Bon, de plus en plus, c'est des groupes armés qui étaient contrôlés. Donc, on n'a pas accès au gain. Par exemple, hier, ma partie, il y a plus de monde qui n'a pas sorti à marchandise, qui sorti du côté de grand dans le ville. Pourquoi? C'est parce que, gagnant, il y a un paquet de manger dans un paysan, il va caber des verres. Alors qu'on est que tout est fort de l'État, c'est connecté zone de production à zone de consommation. Donc ça, encore une fois, donc l'État encore perd le contrôle de ça. Elle a dit que nous perdons le contrôle du territoire là. Donc c'est pourquoi que moi-même, m'a toujours dit qu'on doit avoir les différents organes de sécurité pays à le gagner. C'est-à-dire qu'il faut que nous renforcions les forces armées d'Haïti pour permettre de contrôler le territoire. Deuxièmement, les services de renseignement et la police, et si vous pouvez, les contrôles administratifs que l'État doit faire à travers ses services, par exemple. Nous avons entendu des déclarations ancien conseiller Jovenel Moïse. On a parlé du professeur Guichard Doré qui a réagi sous dossier insécurité dans le pays.
L'autre point qui domine l'actualité, c'est le dossier pasteur Armel Lafleur. Nous avons connu un dossier ça depuis 4 janvier. Pasteur Armel Lafleur, il a gagné pour le déal dans le paquet Port-au-Prince. Il n'a pas mis les pieds. Il a demandé pour te reporter la convocation en police. Finalement, le commissaire gouvernement demandé pour le devenir le 9 janvier, il pas mettre pied 9 janvier, c'est ailleurs, pasteur Armel Lafleur, accompagné d'un paquet de policiers dans plusieurs PNH là, qui était là, dans plusieurs unités, et ensemble avec quelques membres de l'église Lyon, avocat Lyon, t'es accompagné pour le aller dans le paquet Port-au-Prince. Eh bien, Montaïlan, li pa accouché yon sourit dans quatre dossiers ça. On a parlé de dossier pasteur Armel Lafleur. Commissaire gouvernement qui t'a parlé de l'application article 283 code pénal. Pasteur Armel Lafleur a eu un problème avec après deux convocations, yon de l'autre dans le paquet Port-au-Prince. Finalement, li répond à deuxième non. Aïe m'a dit, il était invité pour outrage à l'ordre public et à trouble à l'ordre social tout, selon ça qui écrit commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine. Après, il a fait entendre pasteur Armel Lafleur pendant plusieurs heures, pour ça y a reproché l'ordre pour attouchement sexuel, sur propre petite fille. Magistrat, commissaire gouvernement Port-au-Prince, magistrat Lafontaine, déféré dossier dans le tribunal correctionnel pour suivre nécessaire. Cependant, homme de Dieu a été rentré la caille sans difficulté. Il y a une citation qui en cours et que pasteur a parlé devant le tribunal la correctionnel là, il gagne 3 jours francs ou bien 5 jours ordinaires pour lui-même ranger à cause. C'est le juge correctionnel qui pourra le statuer sur le dossier ça pour connaître est-ce que pasteur Armel Lafleur est capable de sanctionner ou pas d'après ça, comme c'est le gouvernement pas de président. Fait qu'on est toujours dans l'interdiction officielle en tant que pasteur. Et pendant 5 jours, ça y est, Armel Lafleur frappé de côté ministère culte qui interdit pendant 5 années pour ne pas aller prêcher l'évangile dans aucune église ni dans l'église partout. Mais ça qui est pour avec interdiction des parlants, monsieur Jacques Lafleur. Faut en faire connaître que interdiction de départ là toujours qu'un pays. L'autre point domine actualité, un allié chef gouvernement haïtien Maître André Michel mandé un autre leadership dans tête en banque République d'Haïti BRH. Porte-parole l'autre branche SDPA Maître André Michel mandé pour premier ministre haïtien Dr Ariel Henry prend toute disposition pour mettre un autre leadership dans tête en BRH qui d'après lui-même leadership Jean-Baden Dubois qui gagne plus que 12 années déjà expiré. Porte-parole en branche SDPA qui vient en tête li André Michel déclaré situation good la trouvé le journée aujourd'hui face avec dollar américain insupportable pour lui-même parce que les fait connait que BRH a affiché 57 good pour un dollar alors que Cobla a vendu dans la rue à 162-163 good pour un dollar américain. Ça montre à clair incapacité équipe Jean-Baden Dubois pour gérer institution ça li quoi un problème dans l'administration banque centrale qui doit changer. En dans les déclarations, M. André Michel. Nous avons une balance commerciale qui est totalement déficitaire. C'est des facteurs structurels qui expliquent le problème de taux de changement. Cependant, même quoi tout en dans BRH, un problème de vision, un problème de gouvernance. Tout l'argent est injecté sous marché, ou bien l'impression d'injecter l'argent avec son main, et bien l'autre monde tout fait à le ramasser comme de telle sorte que comme vous mettez sous marché, nous ne pouvons pas participer vraiment non stabiliser tout le changement. Et ça, nous-mêmes, nous pensons que, très honnêtement, il faut quelque chose que le Premier ministre et doit assumer ses responsabilités. Nous croyons que dans le problème de vision, dans le problème de leadership, en dans BRH là, le Premier ministre doit faire quelque chose. Parce que c'est inacceptable. Je dis, BRH a affiché 147 gouttes en dollars. Mais dans la OUIA, eh bien, dollars, il y a 160 gouttes, 162 gouttes, et d'un côté 163 gouttes. Cela est inacceptable. Il faut un nouveau souffle à la BRH. Je crois que son responsabilité que le gouvernement doit assumer, parce que dans l'opinion publique, il y a un problème dans la gestion du taux de change et l'institution responsable, c'est d'abord la BRH. Et pour nous, le Premier ministre doit faire quelque chose, le gouvernement doit faire quelque chose. Nous ne sommes pas capables d'avoir instruction, nous ne sommes pas capables d'avoir l'autre, mais nous avons des opinions que nous sommes capables d'avoir. Et Baden en bas, comme mon gouverneur depuis plus passé
7 ans, pratiquement 8 ans, il était déjà dans le premier conseil là. Mon opinion personnelle, c'est un homme qui est épuisé. Leadership, monsieur, a épuisé. Et quoi, il fait un nouveau souffle pour appliquer une nouvelle politique monétaire. Il fait un nouveau souffle et conforme à ça nos besoins dans le pays aujourd'hui. Parce que nous sommes pas capables et bon taux de change qui a balayé terrain comme ça. Il y a trop marge, il y a trop déséquilibre entre le taux fixé par la BRH et le taux réel dans la rue. Il n'est pas acceptable, c'est un problème de gouvernance. Et ce problème doit être réglé. Et nous sommes capables de régler avec celles et ceux qui ont toujours été à la BRH pendant plus de 12 ans et qui n'ont donné aucun résultat. On est capable de dire même mécanisme pour faire changement au niveau de n'importe l'autre organisme autonome. On est capable de dire qu'on tout, mais nous sommes dans une situation particulière. C'est le Conseil des ministres qui dirige le pays, c'est ça la vérité. Le Conseil des ministres doit assumer ses responsabilités. On attend des déclarations, mettre André Michel, qui sont alliés Premier ministre haïtien, qui demande Premier ministre haïtien pour réagir vite, prendre toute disposition pour changer leadership en dans BRH. Là. On a parlé dans l'autre point dominé actualité, ça qui pour avec finissement mandat tiré Sénat République là, qui bout depuis lundi qui là, tout monsieur Sayo qui était au nombre de 10 ans, il est entré dans la caillou, il n'y a pas aucun immunité encore, il n'y a pas aucun pouvoir dans le pays encore. Eh bien, il y a une décision qui t'a sorti côté que il y a un souci pour faciliter le processus direction ça, mettre à la disposition message avec chauffeur pour faciliter yo restituer tout matériel qui t'a dehors d'après you note qui sorti dans secrétariat et Sénat. Passé de l'ESA, secrétariat général adjoint institution menacé pour prendre toutes dispositions nécessaires pour récupérer matériel qui était et qui toujours dans main quelques sénateurs et qui c'est bien Sénat République là. Secrétaire général en après Sénat Donald Justin qui signe note ça non copie conforme à joindre direction ressources matérielles et logistique chambre législative là pour capable faire suite nécessaire. En attendant, il demande à tous sénateurs, tous députés qui étaient là, 10 derniers sénateurs pour remettre tout matériel qui t'a nommé, qui pas pour eux encore. Vérité sous tambour, c'est tout nouvel pays, acte nouvel international dans 30 minutes. 63.5 Radio Pyramide, chaque jour, 9h matin. N'a pas venu sur incident qui est passé dimanche dans la zone bicentenaire côté nèg examiné attaqué machine tout c'est ancien président Sénat République là Joseph Lambert après que il était retiré effet personnel li dans Sénat République là et bien il y a nèg examiné qui était attaqué côté qu'il t'a sorti blessé dans yeux ancien président Sénat République là Joseph Lambert qui était pays a m'a dit là il prend soin que cal nécessité dans pays Cuba. Il y a un historien Jean Michel qui voyait sympathie là by ancien président de la République là Joseph Lambert, il estimait que ancien sénateur a un rôle pour te jouer dans situation pays en qu'il pas jamais joué qui la cause pays en trouver dans Italie journée aujourd'hui. Historien Georges Michel déclaré Premier ministre haïtien Ariel Henry te doit gain élégance pour te voyer sympathie tout by Joseph Lambert. En tant de déclaration historien Georges Michel. Lambert mettait tête du président sénateur lui barbecue dans péché le président. Il dit nous comprendre. Bien regrette ça pour Lambert, me présenter sympathie ma sénateur Lambert, mais là où vous voulez voir faire ça, sans faire assez lourd. Si nous avons comporté un radio, peut-être attaque ça pas dans le fait, nous avons été plus loin dans ce type. Là, pour les bois, faut faire ça. Soit faire assez lourd, il faut endosser les conséquences de vos actes. N'est-ce depuis Jovenel mourir, vous êtes qu'à mettre un président dans le pays, vous êtes qu'à jouer un rôle. L'organiser le pays, vous n'avez pas fait rien. Ça, ni que Lambert président, provisoire. Depuis que n'est-ce que mettre Lambert président, vous discréditez tête. À ta barbecue, vous êtes fâché, empêcher Lambert président. Lambert fourré que Lambert vente, puis, et puis, ça va être là. J'ai l'impression à rien saisir le pantan. Parce que même lui, manquait prend le 17 octobre 2021, barbecue, t'es fait le courir, là, en pont rouge. Je Dessaline, M. Koury, qu'on arrive. Il en est son personnage public, c'est le président du Sénat jusqu'à hier. Ariel te présente sympathie. Il va faire les câbliers, ça, c'est tout. Il va regrettable que Altil est sous le sénateur Lambert. Pour
information gain Salvador proposé Ariel 2000 soldats pour venir pacifier pays parce que j'ai même problème dans Salvador, président Salvador fait appel à l'armée Salvador pour craser grand Salvador, il est au Salvador, au Honduras et au Guatemala. La Smara, c'est même bagarre. Quel que soit le monde qui offre coopération. Soutenez que Cuba ou t'as une balle dans Cuba. Cuba voyez docteur Boul, car vous militaire vient craser bon gang. Jamais capable de mettre de voir le propre que Cuba vient de nous. Pas refuser nous ça. Ou pas carré des Dominicains parce que on contentieux trop important entre Haïtiens et Dominicains, ça pourrait créer des problèmes. Dominicains pas qualifié pour faire ça. Nous pas d'accord entrer sur le territoire, non, et au compte ça tout. Entre Cuba et Haïti, pas un contentieux. Depuis 19e siècle, ces deux peuples qui entendent bien. Tout le monde de Cuba, c'est cool à pédo. Nous avons des déclarations historien Georges Michel qui a réagi sur ce qui s'est passé dimanche dans la capitale, la bicentenaire, côté Négaxam, de attaquer machine ancien président de la République. Il faut connaître que juste au moment où on a parlé là, le premier ministre haïtien, par Jean Twitteron, ancien président, pour le voyer, sympathie Bali. Nous avons venu dans la ville de Gonaïve, il y a un coordonnateur départemental, le bureau bien-être social, là, dans le département de la Tibonite, là, mais c'est une des gens qui fait toute population. La Tibonite là connaît que il est pas capable de délivrer papier prénuptial pour monde qui pral marier au connait là à cause un phénomène insécurité qui gagne sur national numéro 1 à niveau Canaan. Médecine des gens mandé population pour prendre un petit temps en attendant yo joindre papier ça yo. De l'autre côté, médecine des gens tout et tout parlé de phénomène violent qui font diminution dans département la Tibonite là sans qu'elle pas en mesure pour expliquer qui ça que la cause diminution. C'est là, en tant que déclaration, mais c'est déjà. Bon, pas gagner en plus d'informations, parce que qu'on est route là, mais ce n'est pas bien social qui est responsable de ça. Parce que on connaît que tu es un tumulte. Alors, responsable qui ça? Qui est responsable si tu gagnes et ne pas rentrer pour le prince, bien social, pour qu'on y mette prénuptial, c'est on connaît que tu gagnes un tumulte tout mois avant yo. Et bien, si ce, peut-être, je ne vais pas rentrer pour le prince, je dis, hein. Pour ma porte au point, il faut me faire pointer la voie, tronçon ou tronçon de Nyombalé. Mais on compte ça qui a passé dans la route, ça. Il y a des sorties sporadiques que monsieur ça vient faire, etc., etc. Il faut être prudent. Je dis, hein, pour ta porte au point, pour sûr, il faut prendre un avion ou pour machine au cap, pour prendre un avion à porte au point, pour prendre un avion tourner au cap, et puis pour prendre machine au vin de naïve. Parce que là, ce n'est pas sûr, sinon, mais c'est encore mieux comparativement à ce qui a passé jeudi. Qu'est-ce que c'est ça, à répéter dans le bureau et bien être social? Non, le problème va être résolu. Au contraire, moi, pour parler à Port-au-Prince, il y a une décision qui va être prise. C'est le moment qui a décidé de marier dans mon mari là. Qui ça? Ah, donc, non, la personne ne peut pas se marier. Et la personne doit attendre en attendant que les papiers soient prêts. C'est ça, c'est pas mauvais à mon avis. D'accord. Maintenant, c'est bien social qui vous dit qu'il est marié, pas vous dit qu'il est marié. Pas bien social qui a baou, papier pour marier. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes mentionné là, c'est que vous avez dit qu'il n'est pas de sa vie. Et je suis pour parler avec PowerPoint, c'est sûr. Et faire semaine ça pour semaine prochaine, non, n'a pas de papier dans Boudaïf. Depuis qu'il a fait ça répété? Non, ça fait longtemps, mais c'est pas bien social qui est responsable. Par exemple, vous connaissez Gayen et Wout là, bon, bah, par exemple, nous sommes dans le tribunal là, m'a passé, et nous avons des avocats qui ont dit que Gayen, Cocorat, pas grave, Cocorat sans race, prend une machine dans l'île la quoi. Si c'est, mais là, on comprend. Situation, père de famille, mère de famille, etc., etc. On sait, on va vous demander des millions, et là, on va faire le tout. Si ce, il faut être prudent. Vous n'allez pas réagir à la manière des fous, mais il faut prendre des mesures estimant nécessaires pour que le problème soit résolu dans le calme le plus recherché. Okay. Médecin des gens, nous constatons une diminution dans le cas de viol. Est-ce que c'est vraiment respecté dans le département? Bon, bien entendu, je me dis oui, bon, moi-même, pas sorti parce que parfois, mon langue doit arriver, je ne peux pas dépasser. Et moi pas gagner un carburant. Moi comme gagner machine à me déplacer par un carburant, mais grande diminution. Mais ça pas la compétence seulement bien-être social. Bien-être social un curiel d'exigence, d'accord? Il y a un curiel d'exigence. Maintenant, pour viol là, les messieurs et a fait dans les saillots, a utilisé moins les saillots.
eh bien, mon rôle premier, c'est de saisir le commissaire du gouvernement pour la suite des droits. Et c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais durant ces jours, nous finissons par remarquer des diminutions. Peut-être on ne les avait pas répétées, on ne les avait pas déclarées. Mais ils devaient déclarer et ma promotion secrète, mais comme ça que passé. C'est le résultat de travail, nous. Résultat, travail, comme tu sais, ça voudrait dire quoi? C'est bizarre sur nous ou quand? Non, mais tu sais que non, mais, tel directeur, tel bureau, mon cher, il ne faut pas dire ça comme ça. Je ne vais pas dans le bureau pour lui, on va passer dans le département pour ne pas qu'on aille. Parce que moi-même, je vais utiliser tout moyen, et si on fait passer dans 17 communes du département de la Timonite, moi, au plus de 30 minutes, il faut beaucoup aller. Parce que moi, j'ai les OBC, moi, j'ai un tel dans tout côté, ça y est. C'est sensibilisation, ça a eu lieu déjà, c'est pas ça, et peut-être qu'on diminution face à MCERP, parce que nous autres, nous bah, bah, fait. Sous notre demande, ils ont arrêté un peu le monde. Ils ont arrêté un peu le monde, ou pas, femme n'a pas fait, on va pas battre d'elle, pour qu'elle m'a été telle. Mais vous prenez le plaisir à prendre des photos sous dans qui l'autre qui met dans le milieu, etc. Il n'y a pas qu'à prendre ça, à mon avis. Étant donné que c'est harcèlement, je vais dire viol. Et bien ça, moi, le viol là, c'est harcèlement, ou bien tentative de viol. D'accord. Maintenant, quel sera le rôle du commissaire du gouvernement? C'est réagir avec célérité pour prendre des mesures estimées nécessaires pour que cela ne se répète plus. Nous avons des déclarations directes. Coordonnateur IBES là dans le département de la Tibonite là, mettre signe des gens. Nous pouvons aller dans le département de nos pays, Gadkote, pays États-Unis, pour retourner dans la base en Gadkote haïtienne, en ville au Cap, département de nos pays. 83 compatriotes haïtiens hier lundi 9 janvier 2023. Mounsayo qui a essayé d'entrer de façon illégale dans le pays États-Unis sur un petit bateau qui se fait embarcation dans le mall Saint-Nicolas depuis 30 décembre passé. Plus de détails à correspondant nous Jean-Claude Geoffroy depuis le département de nos pays. Quatre côtes américains menaient tourner by autorité haïtienne dans le Cap 9 janvier ça, 83 compatriotes qui t'ont tenté rentrer la caillou 3 janvier qui se passait là sous bateau de façon illégale. Dans le rapatrié Silayo, il y a 47 garçons, 6 timoun et 30 femmes. Il y a une madame Sayo qui est enceinte retourner dans un état physique déplorable. En tout cas, c'est mort Saint-Nicolas dans le département de l'Ouest. Embarcation a été faite 30 décembre année passée. Kevin Augustin, c'est coordonnateur office national migration dans la région Nord. Dans la base de la côte de Cap Haïtien, nous avons 83 compatriotes. Il y a 30 filles et 6 mineurs. Et Mounsa a été quitté le pays à 30 décembre, Mol Saint-Nicolas, donc il m'a dit mardi passé. Et parmi 83 mouns, il y a un groupe moun qui a vécu Nassau, qui a fait tentative pour quitter Nassau, pour rentrer Miami, qui a tout qu'elle est. Et Mounsa a appris nous que il était arrivé sur un beach dans la Floride. C'est là que vous avez eu, mardi matin, ils ont battu, nous voulons venir. Parmi un homme d'âme enceinte qui est malaise, nous avons eu l'ambulance d'une bombe pour la veille de l'hôpital de premier soin. Et on a fait suivi avec le docteur Santé pour connaître si le cas est plus grave, ça le café. Même si comme ça, c'est la même raison, chômage, insécurité, misère. Et ma petite nous, c'est une année 2023 qui a commencé très 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 mal pour nous-mêmes. Ça veut dire qui ça a dit que. Parce que de 2 janvier au 6 janvier, pour venir dans le cas de 227 haïtiens. Ça veut dire de 2 janvier au 6 janvier, pour vous que vous avez 227 compatriotes haïtiens retournés. Combien de recevoir voilà pour moi ça 227 plus 86, bon 313 monde, y compris Providential et Gadkote. De 2 au 7 janvier. Depuis l'année 2023 a commencé, autorité haïtienne, et spécialement service Gadkote au Cap-là, recevoir en tout 313 rapatriés. Parmi eux, il y a 227 ans qui sont dans l'île Providential et 86 les autres, c'est Gadkote américain qui a été sous la mer. Merci en pile, Jacques-Claude Geoffroy. Pendant ce temps, Gadkote américain a pompé tourner plusieurs Haïtiens que le joignent sous la mer. Mais dans le pays d'Haïti, il y a un mouvement qui chauffe, qu'on est là, c'est question d'aide humanitaire ou bien programme humanitaire.
président américain Joe Biden signé depuis le commencement du week-end qui se passait. Un ensemble d'exigences avec l'administration américaine dans le cadre du programme qui portait nom programme humanitaire lancé par le président américain Joe Biden. Pour par exemple, moun qui t'a doué bénéficier et aide ça ou bien programme ça, t'a supposé recevoir toute dose en vaccin COVID-19. Pendant l'année, le président américain Joe Biden a annoncé qu'il mettait sous pied un programme qui portait nom programme humanitaire en faveur quatre pays parmi eux Haïti trouvé la donne. Le gouvernement américain a annoncé hier lundi que bénéficiaire programme ça, il doit soumettre à plusieurs exigences parmi eux, il doit prendre toute dose en vaccin contre la maladie COVID-19 polio avec la rougeole. On a souligné que depuis annonce programme ça gain en pile haïtien qui mobilisé pour capable joindre un supporter qui vivant aux États-Unis pour faciliter entrée dans pays Joe Biden. On le fait encore document en voyage là bénéficiaire gain jusqu'à 90 jours pour rentrer aux États-Unis et c'est eux-mêmes qui payer tout frais voyage d'après ça autorité américaine fait connaître. Mais fin de tout, dans moment ça a gagné une quantité de monde calmassé devant bureau immigration n'importe où presse pour y ouais c'est capable de jouer un passeport yo. À lundi qui c'était 9 janvier 2023, t'as gagné plusieurs centaines milliers de monde qui t'es massé devant bureau central immigration n'importe où presse quelques jours après y t'es fait annoncer programme humanitaire là qui lancé par locataire maison blanche Joe Biden. Son foule qui en pile moun la donne qui était campé devant bureau direction immigration à immigration qui trouvait sous la lune en capitale pays d'Haïti en Port-au-Prince. Et selon certains moun sa yo qui était là, yo vinn chercher passeport yo pour capable tenter chance yo nan programme qui lancé depuis semaine passée hein, par président américain pour contrôler mettre l'ordre dans une foule immense qui était campé devant bureau immigration. Et bien la police était obligée pour toute ta disposition nous là depuis bien bonheur pour nous venir chercher passeport nous pour nous tenter chance nous dans programme ça d'après une là dans te fait connait n'a pas rappelé que semaine passée hein administration Joe Biden n'a lancé programme humanitaire qui permettre 30 000 migrants qui sortent dans quatre pays parmi eux Haïti a des chance pour entrer dans pays États-Unis. N'a pas aller dans notre point de actualité on va aller dans département sud pays divers secteurs dans département sud pays souhaité ta un changement qui fait dans le pays pour année 2023. Syndicat chauffeur taxi, chauffeur machine, responsable association monde, handicapé yo estimé pour année 2023, l'état yon année réconciliation ak pour remembrer institution étatique yo. Plus de détails à correspondant nous Rosbert Adenistan depuis département sud pays. Divers secteurs dans le sud ont souhaité un changement qui fait pendant l'année 2023 pour mener le pays dans une autre direction. Maître Emilio Neas Nakounaf croit haïtien ta dwe profiter l'année 2023 pour faire tourner une année réconciliation à pour membres institutions étatiques coordonnateur Konaf la di kriz sociopolitique la gen gros conséquences sur la vie moun handicapé dans pays d'Haïti. On pense que haïtien yo ta capable faire année ça une année de réconciliation pour que yo ouais effectivement comment nous capable retourner sur valeur nous en tant que peuple et remembrer institution l'état yo déjà imaginez que dans question la vie publique nous presque pas gain d'institution qui fonctionnel nous pas gain parlement alors que travail pas nous-mêmes comme mon handicapé c'est nous engager dans travail plaidoyer et là pour nous faire plaidoyer faut que institution yo stable. Bon côté PAL, syndicaliste Bertrand Banat l'estime, année 2022 a été difficile en pile, comme ça, il souhaitait tout secteur ta mette tête ensemble pour joindre un consensus pour capable mener le pays vers chemin développement. Nous entrons en 2023 avec un combat et nous avons dit tout le monde, mettez ça dans l'esprit, combat ça nous va le faire différemment, c'est avec l'esprit. Avec ça n'a pensé pour bagaille changer dans ce sens ça côté nous tout bas si tu as réfléchi pour nous une alternative pour nous repartir avec pays faut qu'on dise c'est majorité secteur qui a plein
pour situation pays a trouvé le journée jeudi a pendant le souhaité acteurs politiques joignent consensus pour mener pays à dans élection depuis Ville-au-Caire département sud Rosebert à Denistan radio pyramide. Merci en pile Rosebert n'a venu dans ville Gonaïve département Antibonite là l'autre porte dominer actualité en dossier justice juge Isaac Prophète installé à lundi 9 janvier 2023 dans tête tribunal première instance en ville Gonaïve comme doyen tribunal là les remplacer dans poste ça juge Anthony Charles Noguès qui passait 7 l'année à diriger tribunal la première instance ville Gonaïve là comme doyenne c'est président cour d'appel ville Gonaïve là maître Octelus Dorvilien qui était présidé séance installation ça qui était déroulé dans un local qui pas approprié pour ta gagner un tribunal plusieurs représentants dans appareil justice là en Gonaïve t'est assisté à installation juge Isaac Prophète nouveau doyen tribunal première instance ville Gonaïve là juge Isaac Prophète dans la première déclaration le fait le 19 janvier 2023 fait un objectif li c'est bataille en compte de détention préventive prolongée pour ensemble avec tout l'autre secteur dans le département pour joindre un bout à café aussi là doyen tout annoncer que le pral travail avec chaque entité qui sous contrôle tribunal première instance ville Gonaïve et puis l'autre entité qui gagne en juridiction spécialement paquet avec le tribunal de Peyo pour garder comment yo ka résoudre un problème ça et puis faire ville Gonaïve en tourner un modèle. Entendez déclaration juge Isaac Prophète qui se doit un tribunal pour petit bout de temps première instance ville Gonaïve là travail dans niveau ça tant qu'on dit alors l'homme d'une manière générale depuis nous parler de l'homme nous dit l'homme est un être avec et mes travail dans niveau ça c'est un travail avec qui avec les autres. Donc en tout premier lieu c'est vrai nous allons faire réunion avec chaque entité qui sous contrôle va nous, mais chaque autre entité dans la juridiction, avec parquet, nous pouvons travailler en pile, nous pouvons parler en pile. D'ailleurs, nous avons parlé avec le commissaire en chef là, mais qui ça nous a fait. Donc finalement, si vous voyez dans qui mesure, alors, répertoriez Kayo, et puis travaillez sur en synergie avec le parquet. Et puis, mettez tout acte panneau en branle, augmentez le nombre d'audiences. S'il te 10, ouais, s'il a 12, s'il 12, ouais, s'il a 15 par semaine, et puis ça, au moins, pour aider nous, pour nous avancer. Mais cependant, il y a des dossiers, et pour se dire vraiment, et pas aller rapide, c'est parce que il y a des gens. Il n'y a pas même joué par téléphone en tant que plénière. Donc ça va permettre que la procédure n'a pas aller rapide. Mais il y a des gens qui viennent, même ils ont demandé, ils attendent la présence de l'intel. Mais les gens qui veulent pour attendre en face là en tant que plénière, mais ils ne sont pas là. Et en plus de ça, il y a des gens qui veulent, ils ne veulent presque rien. Mais comme nous connaissons, vent pas gens favorables pour les gens tout par contre qu'on doit aller. Mais qui ça nous promet? À tout le monde qui compte côté au balai, à tout le monde que la justice intéressée, à tout le monde qui a subi une injustice quelconque, nous pouvons travailler pour que nous pas dire, nous pas résoudre tout problème, mais travailler pour la situation améliorer, travailler pour que moins de monde qui l'a en prison. Captain du jugement depuis un pile temps, je ne vois pas jamais qu'arriver, nous-mêmes nous pas le travail d'arrache-pied pour que nous diminuions ce monde, pour que nous apaisions ce monde, pour que la détention préventive prolongée dans la juridiction pas non pour le diminuer considérablement. Actuellement, si tu as évalué le pourcentage de détention préventive prolongée, c'est à combien de et normalement, beaucoup en mesure. Pour un bon pourcentage là, donc il faut que je travaille avec Griffin, non? Pour que je travaille avec Parker, et puis laisse ça ma cabao exactement pourcentage là. Donc pour le présent moment, je ne peux pas cabao pourcentage là, parce que même les d'abord, on va gagner, mais il n'est pas fiable.
Nous avons des premières déclarations. Juge Jean-Isaac Prophète, qui est nouveau doyen tribunal première instance de Gonaïve, n'a pas toujours été dans le dossier justice, mais fois ça nous va aller dans Balatibonite, là, un chef paquet pour Tiboutanville, Saint-Maclan, Maître François Venson. Féliciter la police dans le département de Tiboutanville pour bon travail, il dit au fait, n'a éliminé groupe gang dans la commune Montoui. Dans le week-end, le commissaire gouvernement dit la police a arrêté 9 présumés bandits dans la gang ça, qui a répondu à question à la justice. Pendant le monté, détermination pour le contrecarrer gang yo dans la Tiboutanville. En donnant reportage à collaborateur non Milsa Madeis. Commissaire gouvernement à I Parquet Saint-Macla, M. Vincent François, confirmé Idmo dans le département de la Tibonite, démantelé, crasé un réseau gang qui tape Simaï La Toubla dans la commune Mouri. Semelis Fondi, 31 l'année, Lucien Godson, 37 ans, Don Mackenzie, 15 ans, Boniface Davidson, 22 ans, Derivier Dudley, 33 ans, Eugène Noli, 37 ans, Aclu Michelet, 26 ans. C'est quelques parmi présumé bandit, la police a arrêté dans le cadre d'opération spéciale pendant le week-end dans la commune Mouri. Chef poursuite pénale, la commissaire François Vincent dit pas dans le bandit chance. Pas une pièce criminelle qui a vu là, pas qu'il prenne responsabilité la guerre. Il prenne la guerre devant le tribunal. S'il mérite la guerre. Et la population a besoin qu'on ait. Il a besoin de sortir dans la dynamique Jérôme Bouchepéa. Parce que si vous regardez des configurations Saint-Marc en particulier, et ensemble de petits foyers gang qui a monté là, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'avez pas développé de synergie pour pas information, pour dénoncer les bandits, pour protocoler tout avec la police qui a pied d'œuvre, qui a travaillé, pour protocoler avec l'effort que Paquet a fait, la justice a fait dans Saint-Marc, eh bien, au bon matin, Saint-Marc a disparu. Eh bien, nous avons besoin qu'on ait, faut que vous ayez information, faut que vous dénoncez gang yo. Bandit arrêté, tout criminel arrêté, tout présumé bandit, présumé assassin, présumé criminel arrêté, c'est déféré dossier par devant qui le doit pour les suites de droit. Parce que normalement, pas qu'il y a pas juridiction de jugement, il y a de gros dossiers, il y a de moun yo arrêté, qui y a de gros suspicions, il y a de gros dénonciations sur yo, nous pas qu'à prendre malin, nous pas qu'à prendre responsabilité pour libérer yo. Et moi-même, t'ai dit déjà, dans point presque m'baye déjà, moi dit, depuis c'est au moun yo arrêté, dans un banditisme, dans un criminel, dans valé à tout le devant, tribunal. Kounia, c'est le, il revient au juge qui a la saisine du dossier pour décider est-ce que une présomption ça, est-ce que le fondé ou non. Numéro 1, Paquet Saint-Macla, M. François Vincent, mandé population, hein, pas peur la police avec la justice information, sous moun bo la kayo, yo ta suspect qui n'a mauvaise affaire, yo façon pour faciliter le travail la police avec la justice. Merci en pile, Milsan Madeus. L'autre point de domine actualité, il y a une grosse question qui a posé. Qui côté ou conseil transition bloqué qui fait pourquoi capable d'installer depuis le fin nommé, depuis le tout arrêté à sortir? C'est une grosse question qui a posé jusqu'à présent. Publication arrêté qui nommé trois personnalités pour constituer ou conseil transition pourquoi sortir? Il y a une discussion qui est déjà engagée en tant que premier ministre haïtien avec trois personnalités ça pour que choisir pour intégrer structure ça. D'après ça n'a parlé là, c'est madame Mirlot Maniga, entrepreneur Laurent Saint-Cyr avec révérend pasteur Calix Fleuridor. Mais juste un moment n'a parlé là, selon information qui t'a vu joindre nous Mirlot Maniga, t'a parlé plus clair sous dossier ça parce que dans ça concerne lui mission principale HCTA qui c'est au conseil de transition. D'après ex-candidat à la présidence, là, t'as senti que le pas à l'aise avec un haut conseil, là, genre que, il a défini, là, dans un document consensus, là. Après, encore, t'as volé dit passé, hein, présidente, représentante, secrétaire général, là, ONU, en pays d'Haïti, Hélène Lalim, avec madame Maniga, lui promettre, pour aller gagner une modification qui pourra le porter dans le document, ça. Pour madame Milan Maniga, haut conseil de transition, t'as doué un organe de, pas t'as doué un organe de conseil, de conseil de cap recevoir l'ordre dans le premier ministre haïtien et c'est ça qui paraît un petit genre tête chargée pour connaître est-ce que l'a toujours été ou bien est-ce que le pape formé mais forme d'auto c'est pas une question ça qu'a posé une autre question posée côté débarcation militaire soldats américains ont été doués entre jeudi 10 ans
janvier dans le pays d'Haïti. Question ça, justement, on a parlé là, pas gain aucune réponse. Personne monde pas dit rien. Est-ce que oui ou non, a gagné un militaire qui a venu renforcer PNH, qui a montré le jour mardi 10 janvier dans le pays d'Haïti. Question ça, pourquoi gain réponse? C'est à lundi 9 janvier qui marquait bout de mandat tiré Sénat République là. Ancien élu département de l'Ouest, Patrice Saint-Dumont, dit que dans la déclaration qu'elle fait, dit qu'il paraît même dans la condition que les trouvé le jour et jeudi, côté qu'elle a quitté le Parlement avec sans pas gagner aucun sénateur qui remplace lui. C'est non cérémonie ni tout, pas aucune cérémonie qui fait. À propos de bilan, il indiquait que laisser avec un peu de regret. Et Sénat République là, mais il est satisfait parce que il était chita avec plusieurs autres monde qui côté que c'est un Sénat de mosaïque pour essayer de défendre intérêt pays. D'abord, quelques propos que nous pourrons inviter à entendre déclaration ancien sénateur département de l'Ouest, Patrice Dumont. Après 2006, 7 juillet 2018, nous vivons l'autre pays net. Vine pas gagner quorum. Presque pas jamais pour vous. Ça veut dire que l'enfine, nous sortis dans l'année 2018, là, nous prenons 2019. Bon, à partir de 2020, tout temps, 10 sénateurs venus, 8 sénateurs venus, pas gagné pour vous. Donc, ça a empêché que projet, proposition de loi, ça, que moi j'ai préparé sous organisation, développement et promotion activité physique et sportive. Que me présenter, moi faire exposer des motifs là. Exposer des motifs là, faut me dire pour qui ça loi ça est important. Mais après les pour qui t'es gain vote sous l'IA, discussion, comme t'es gain deux trois lois qui étaient avant lui, qui étaient là avant et ensuite vinn pas capable gagner courant non. Pour diable loi pas maintenant, il pas gain temps discuter pendant mandat. Dans 2 semaines, n'a présenté ça nous fait avec un documentaire audiovisuel qui a pas nous toutes caractéristiques stade. En fait, projet stade. Deuxième bagarre m'a dit concernant l'argent fondation les ouvert 2018. Après un an de démarche, elle est ouverte avec 600 000 gouttes que moi-même, moi-même, déposé. Et toute l'autre, à part un rapport important que pastoral des jeunes de l'Église catholique. Avec un petit homme dans la fleur du chêne que nous connaissons, qui nous a fait une journée de la jeunesse internationale, qui a rapporté nous quand même 500 000 gouttes. Et nous avons toute contribution, ça, liste contribution, pas plus qu'une vingtaine de personnes. Puis il faut ça que nous entrions et qui permettent nous. Dépenser à peu près, enfin précisément 16 000 dollars américains, qui c'est un peu plus que 1 million de gouttes, c'est avec moyen ça que nous faisons. Kounia, effectivement, nous croyons que ce stade-là, c'est le stade du peuple haïtien. Nous lançons l'idée. Nous qu'à orienter, nous qu'à piloter avec le peuple haïtien, avec l'institution. Mais nous comprenons que nous pas gagné bébé pas posséder un stade. C'est un travail collectif. Moi convié tout haïtien et n'a gagné tout détail avec projection sous en 3D que je me dis là d'ici la fin du mois de janvier. N'abordez question ça. Nous avons des déclarations ancien sénateur département l'Ouest Patrice Dumont.
Avant de finir, n'a fait qu'on a gagné un individu qui pote non Patrick Petit Thomas alias Tigé, il gagne 28 ans, c'est mon crête brûlé dans département Plateau Central dans ville Mirbalais. La police a arrêté le mercredi vendredi 6 janvier pour implication comme présumé moun qui compte participer dans un braquage sur national numéro 3. Pendant arrestation, il gagne plusieurs plaintes tout qui était déjà déposé contre plusieurs moun dans population contre Tigé pour qu'on y là Patrick Petit Homme li placé dans garde pour aller répondre question la police ensemble avec juge li. Gagné tout un individu qui joint à arrestation là Port-au-Prince parce qu'il t'a tué madame ni c'est agent direction centrale police judiciaire de CPJ qui a metté main sur lui vendredi 6 janvier passé dans zone Claircine dans la capitale dans entrée nord Port-au-Prince citoyen ça Renelson Saint-Louis d'après information que t'avais joint nous que coordination presse PNH là envoyé ba nous c'est Saint-Louis t'es obligé mettre lui côté pour machine braf après parce que il a tué madame Ariel Richama Telemac seulement 3 mois après que le défunt marié avec dame Sila d'après ça sous la police en fait connaître et gagne un mandat d'amener il était metté derrière Renelson Saint-Louis depuis 21 mars 2022 commissaire gouvernement Saint-Maclan maître Moïse Deristin et pour alors c'est ancien commissaire Saint-Maclan Moïse Deristin qui met mandat ça pour assassinat préjudice de madame Richama Telemac qu'il était marié avec elle depuis décembre 2021 et il t'a pral touyé 3 mois après. Un petit temps après, monsieur le fin commis Zach ça, présumé assassin, t'es couru à l'choué en République Dominicaine. D'après ça, unité communication PNH FN connaît, suite avec arrestation Ronelson Saint-Louis, li placé qu'on y a dans garde à vue, non bâtiment DCPJ, gagné, non lié sûr, et l'aptan, la police. Ou bien la justice a prononcé sous Kassila. N'a fini avec un dernier point, c'est une enquête que DCPJ a mené sous un policier qui, la mort policier, c'est Lincoln Bien-Aimé. DCPJ sollicité collaboration Radio Galaxy dans le cadre d'enquête ça. Fondi dans une correspondance DCPJ qui date 3 janvier 2023, il a sollicité extrait émission bande dans 27 décembre 2022 à côté frais policier Lincoln Bien-Aimé et t'es participé c'est Léo Pizzo Bien-Aimé t'es fait importante révélation sur circonstances assassinat frère Lian pendant entretien ça il t'a dénoncé menace que frère Lian t'a pas subi avant crime n'a pas rappelé que policier Lincoln Bien-Aimé t'es affecté dans brigade lutte contre trafic stupéfiant a été assassiné dès décembre dans Croix-des-Bouquets.